sommes 300 millions massés derrière la porte, trop serrés pour remuer, trop tendus pour penser. Une seule idée en tête, la porte, la porte, la porte. Quand elle s'ouvrira, ce sera la ruée. La vraie course à la mort, la tuerie sans passion. Un seul gagnera, tous les autres mourront. Même pas numéroté, seul un instinct nous guide. On nous a baptisés les spermatozoïdes. Nous bougeons lentement, faut pas s'enquiloser. Quand on est devant la porte, on voudrait s'arrêter. Si elle s'ouvrait maintenant, je serais bien placé. Mais non, les autres poussent, ça y est, je l'ai dépassé. Et la ronde continue, la ronde des prisonniers. Mais ce que l'on attend, ce n'est pas la liberté. On ne se parle même pas, on garde les yeux baissés. On ne regarde pas ce qu'il faudra tuer. Soudain, on s'arrête tous. Plus personne ne pousse. C'est l'instant qu'on attend. Très subtil le changement. On ne voit rien, mais on le sent. Dehors, ça bouge lentement. On espère, on redoute. On ne bouge plus, on écoute. Ça y est, c'est parti, la porte est ouverte, c'est la ruée au dehors. Ne pas s'affoler, ne pas s'affoler, sinon c'est la mort. Pas partir trop vite, la distance est longue, faut pas s'essouffler. Déjà les premiers ont été massacrés, bousculés, piétinés. Ce qui se passe devant, c'est pas important, du moins pour l'instant. La mort vient dans le dos, le croche-pied vicelard et le piétinement. Le fouet bien en main, j'en vois un qui se rapproche, l'attend. Il est à ma portée, je me retourne, vlan, d'un coup de fouet je le descends. Faut être attentif, tous les nerfs tendus, prévoir le danger. Tout ce qui se passe autour, faut en être conscient, sentir et frapper. Quand l'un tourne le dos, s'il est à portée, on lui règle son sort. C'est la règle du jeu, la moindre pitié entraîne la mort. Sacré nom de Dieu, un coup de fouet a sifflé juste derrière mes oreilles. Mais je dois être cinglé pour philosopher à un moment pareil. Le fouet tournoyant, je cave à la mort pour me dégager. Le danger écarté, je reprends mon train, faut pas s'énerver. Déjà la moitié, les trois quarts sont morts, ça s'est clairsemé. On court plus lentement, on piétine des corps, on est fatigué. Courir, 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 courir. Tenir, 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 tenir. Ceux qui ont la rage de vivre, il n'y a que ceux-là qui tiennent. Maintenant on ne se bat plus, oh ce n'est plus la peine. Les mecs tombant à un, morts avant de toucher le sol. Exténués, épuisés, vidés, rincés, ras-le-bol. C'est bon de se laisser choir, dormir comme les noyés. Mais ceux qui se laissent tomber, c'est pour l'éternité. Soudain, je l'aperçois. Il est devant mes yeux. Il est là devant moi, ce palais merveilleux. J'arrive, ma toute belle. Encore un petit effort. Et je plonge dans la vie en sortant de la mort. Mais non, je ne suis pas seule. Deux mecs m'ont précédé, tellement épuisés qu'ils ne trouvent pas l'entrée. Je leur tombe dessus, les écrase, les bouscule. Je leur piétine la gueule et j'entre dans l'ovule. Que c'est beau, j'entre dans un paradis. Elle est là, cette garce de vie. Pendant 9 mois, entre elle et moi, ce sera l'Éden, le Nirvana. Je suis le vainqueur des 300 millions. Je sors du néant, j'ai un nom. C'est merveilleux l'existence. Ça commence par des vacances. Que c'est beau. Que c'est beau. Je vais les jouir à plein ces 9 mois sans problème. Tranquille, baignant dans l'huile, sans amour et sans haine. Sans froid dur ni chaleur, surtout sans société. Parce que les autres, les vaches, ils m'attendent à l'entrée. Tous les autres vainqueurs, ceux qui sont déjà dehors. Ils m'attendent pour se battre, pour voir qui sera le plus fort. Bref, quand je sortirai, il n'y aura plus de vacances. Pendant 80 ans, la bagarre recommence. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie.